trouve Haute-Silan pour le... Bonjour à tous et oui, nous sommes en direct du PC de surveillance de tout le réseau APRR. Ici, 1850 km d'autoroute sont surveillés de près. Ça va de Mulhouse à Nancy en passant par les Alpes, bien sûr la Bourgogne et la Franche-Comté. Je retrouve tout de suite la responsable de ce PC, Marianne Michelet, bonjour. Bonjour. On est à la veille d'un long week-end. Est-ce que pour vous, ça veut dire un renforcement des effectifs, une autre organisation pour surveiller encore de plus près un trafic plus dense? Bien sûr, pour nous, plus de clients, donc du coup, éventuellement, plus de choses à gérer. Donc, dès cet après-midi, on va renforcer l'effectif pour prendre notamment les appels d'urgence. Et puis, on attend quand même un trafic, on voit là un qui arrive à l'instant. Donc, dès cet après-midi, du trafic, demain matin aussi. Et puis des retours, notamment dimanche soir et dimanche après-midi. Là, par exemple, il y a un appel, donc ça peut être quelqu'un effectivement qui appelle d'une borne et ça arrive ici? Absolument. Donc, quelle est la procédure quand quelqu'un appelle, si parce que quoi que ce soit sur la route? Alors, du coup, c'est heureusement 80% de nos appels, ce sont des pannes, des personnes qui sont en panne. Donc, bien sûr, on va leur donner les consignes de sécurité, on va les conseiller et on va bien sûr engager un dépanneur. Là, vous avez une vision, on le voit bien derrière nous sur l'immense mur d'images. Vous avez, je crois, des centaines de caméras, donc vous pouvez aussi visionner, vous, ce qui se passe quand il y a un incident, un accident, quelque chose sur la chaussée. Oui, on va aller chercher l'image comme une aide à la décision pour voir quels moyens engager et puis quelles mesures prendre et qui contacter pour faire au plus vite. Alors, il y a une nouveauté. Hein, après tout, c'est la modernité avec les smartphones. On peut vous appeler. Alors, avec une application, vous allez nous la montrer. Je vais juste appuyer moi parce que voilà, avec un micro. Donc, on peut vous appeler directement avec le smartphone. C'est SOS Autoroute, c'est ça? C'est ça, SOS Autoroute. Donc, grâce à cette application, vous avez votre borne orange dans la poche, ce qui vous permet d'avoir, comme on l'a vu là à l'instant, les consignes de sécurité tout de suite. Et puis, de pouvoir être mis en relation avec un poste comme celui-ci, plus rapidement, sans avoir à marcher le long de l'autoroute, puisque vous êtes localisé. Très rapidement, quand il y a également un problème, on le voit, vous avez des panneaux sur lesquels s'affichent pour pouvoir prévenir les autres automobilistes. Oui, bien sûr. Donc ça fait vraiment partie de nos engagements. C'est l'information du client qui circule pour éviter les suraccidents et puis pour conseiller, pour avoir, en tout cas, essayer d'avoir de la part des automobilistes le comportement qu'on attend. Merci beaucoup Madame Michelet. Et puis bien évidemment sur les autoroutes il y a aussi les patrouilleurs. Je vous propose tout de suite de découvrir ou redécouvrir le sujet qu'avait fait Clément Jeannin à ce sujet. L'autoroute, il la sillonne 8 heures par jour et sans payer en plus. Jérémy Trousselot a 35 ans, il est patrouilleur. Et surveiller, voir s'il n'y a pas d'anomalie sur le tracé. Par exemple, on vérifie qu'il n'y a pas d'obstacles sur la chaussée, donc des objets plus ou moins volumineux. Vous voulez encore des statistiques? Eh bien, sur les autoroutes, il y a en moyenne un accident tous les 3 jours et une à 2 pannes seulement quotidiennement. Alors en fait, le gros du travail pour les patrouilleurs APRR, c'est tout le reste. Contrôler et améliorer l'état général de la route et surtout beaucoup ramasser nos immondices. Jérémy gagne 1600 euros brut par mois sans les primes. Il a une formation de paysagiste et est heureux de son métier, qui est tout sauf routinier, puisqu'il ne sait jamais ce qu'il va se passer sur la route, ni d'ailleurs ce qu'il va ramasser. Est-ce que vous pensez que les téléspectateurs, ou du moins les usagers des autoroutes françaises, savent exactement tout ce que les gens font pour améliorer les conditions sur ces autoroutes? Dans le détail, je ne pense pas. Je pense qu'ils ont bien conscience quand ils tombent en panne, notamment, ou quand malheureusement ils sont victimes d'un accident, ils ont bien conscience qu'il y a des personnes qui sont là pour leur porter assistance. Mais au quotidien, dans leur déplacement, tout ce qui relève de l'entretien du réseau autoroutier, la tonte des accotements, l'entretien des aires, le nettoyage des édicules sanitaires, je ne pense pas qu'ils aient conscience de toute cette activité-là. Voilà, et sur l'autoroute, on écoute souvent Autoroute Info pour avoir une idée des conditions du trafic. On est justement dans la station de la radio avec l'un des rédacteurs en chef, Paul Mathieu. Bonjour. Bonjour, Aude.
Qu'est-ce qui se passe? On a vu tout à l'heure, on était au PC, quand il y a un accident, comment vous pouvez prévenir les automobilistes? Alors en fait, on reçoit l'information justement via les PC, par le système intercom, qui va beaucoup plus vite qu'un téléphone. Trois PC qui sont sur l'ensemble du réseau APRR notamment, et sur les autres réseaux également qu'on couvre. L'opérateur nous appelle, va nous donner l'information. Donc si vous pouvez voir justement sur cet écran, donc c'est une application qu'on a développée ici en interne, il va m'appeler, il va me dire par exemple, Paul, voilà, j'ai un accident sur l'autoroute A6, on voit marqué autoroute route A6, au kilomètre 314 dans le sens 1, voilà, et automatiquement, j'ai la portion d'autoroute qui s'affiche. Vous voyez le kilomètre 314, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, c'est juste après Beaune, en direction de Lyon. Le journaliste a cette information, tout de suite, il va la donner à l'antenne. Il a un temps. Voilà, il a 2 minutes maximum pour donner l'information, puisque nous, notre mission, c'est l'information trafic en temps réel, bien sûr. Alors, pour avoir cette information, on peut bien évidemment, et on le conseille, écouter Autoroute Info, oui. Mais on peut aussi avoir cette information d'une autre manière. Comment Alors, il y a plusieurs façons. Effectivement, la radio, c'est le 107.7, bien entendu. Il y a aussi le site internet autoroute-info.fr et puis depuis récemment il y a une application mobile qu'on peut télécharger gratuitement sur iPhone ou sur Android. Mais quand on écoute de la musique ou quand on écoute par exemple les radios, alors du groupe Radio France exclusivement, il y a un système qui permet d'être alerté. Alors il y a un système qui s'appelle le TA, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, c'est-à-dire que le programme d'autoroute info est interrompu lorsqu'il y a une information d'urgence, mais également lorsqu'il y a une information sur une autre radio, que ce soit les antennes de Radio France, que ce soit France Info, France Inter, etc. C'est un accord qu'on a en partenariat avec ces radios qui permet donc d'interrompre le programme en urgence sur ces antennes-là et également si on écoute un CD ou une source musicale MP3 par exemple. Très rapidement, Autoroute Info, on voit la journaliste qui est juste à côté de nous. C'est aussi une radio avec de l'information? Oui, c'est une radio, bien sûr, information trafic, mais également un accompagnement avec de la musique et puis des programmes de reportage de tourisme, un reportage tourisme par heure, des reportages sécurité, donc tout un programme d'accompagnement qui fait que les gens nous écoutent en moyenne jusqu'à 1h15 quand même, donc une belle fidélité. Et c'est pas mal, et donc on rappelle Autoroute Info, c'est sur 107.7, sur tout le réseau APRR. Voilà tout de suite la fin du journal.